Salut à tous, salut John. Salut. Bienvenue dans cette vidéo comparative entre la BMW F750 GS et la Triumph Tiger 800, la XRX. Laquelle tu veux essayer en premier? La Tiger. Tiger, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a fait les premiers tours de roue avant de venir ici. Et juste en position, c'est là où j'étais le mieux assis. Allez, ok. Après, voilà, on est deux gabarits différents, je suis quand même grand. Yes. Donc à voir après par la suite. Allez, carrément. Allez. Donc, prends la Tiger et je prends la BM. Allez, ça marche. Alors déjà, pour commencer, on va démarrer la Tiger. Tu peux y aller. Ok, maintenant, passons à la BM. Ah, beaucoup plus discrète hein, la BM. Non, non, c'est bon, l'éteins pas. Ouais, tu sens qu'il y a moins de... Ça rage moins. Ouais, c'est ça. La Tiger est beaucoup plus rageuse, ouais, effectivement. Et j'entends plus l'échappement que le moteur sur la Tiger, alors que sur la GS, j'entends plus le moteur que l'échappement. Ouais. Même en étant à côté. Alors, John, pour amener une concurrente en plus, mais vite fait, hein, on va pas s'étaler sur le sujet, sur les quelques mètres qu'on a... Enfin, quelques kilomètres de la concession à ici, tu as la MT-09 Tracer, donc qu'est-ce que tu penses déjà de la Tiger contre la MT-09? Ben, je suis agréablement surpris déjà. Par rapport à... Elle est vraiment stable, enfin, je me sens bien dessus. Je me sens bien protégé. Il y a quand même de la puissance, un peu moins que la MT. Ouais. La MT est quand même plus rageuse, mais j'ai vu sur les fiches techniques qu'il y avait plus de chevaux. Ouais. Mais je me sens bien dessus. Et puis Master of the Torque, hein, Yamaha, donc forcément, voilà, en fait, le moteur, voilà, sur la fiche technique, même à puissance égale d'un autre, il va être quand même un peu plus cogneur. C'est ça. Mais après, sinon, dans les 2-3 virages qu'il y a eu, je la trouve. Elle met en confiance. Et puis en position, je suis pas trop mal. Alors, je suis un peu mieux assis sur la Tracer parce que la hauteur de selle, je pense qu'elle est un peu plus haute. Comme je suis grand, je me sens plus à l'aise. Mais tu sais que tu as une selle réglable. Hein. Ah. On peut monter ta selle. Hein. Ah. On va le faire de suite. Là, il y a une station. Ça change tout. On va s'arrêter à droite là. Alors, monsieur John, regarde, tu as une serrure derrière. Tac, tu tournes, tu enlèves la selle passager. Ensuite, la selle pilote, tu l'enlèves aussi. Et tu passes les barres comme ça. Tac. Ouais, tu as la même, là, okay. Voilà, c'est ça. Et sur les deux, il faut faire pareil. Maintenant, là, tu as une selle en position haute. Tac. Ah, voilà. Et c'est tout. C'est facile, hein? Ah oui! C'est mieux? Là, c'est mieux. Comment tu te sens en position? Ah, là, déjà, je suis moins plié des genoux, donc là, ça va mieux. Ok. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé de la position des motos. Donc, déjà, en statique, j'ai les pieds de chaque côté qui touchent le sol. Les bras légèrement fléchis. Buste droit et j'ai déjà les mains sur les commandes. Les jambes, elles sont pliées mais ni trop ni pas assez. C'est une position assez bonne. Il y a vraiment une position naturelle. Ça, c'est intéressant. Bien, il n'y a pas de voiture en face. Les premiers mètres, donc un moteur qui vibre pas mal. Je ressens les vibrations dans les poignets. Un peu de partout en fait, je ressens les vibrations. Donc là, ça se sent bien que je suis sur un bicylindre. Comment elle se passe la tienne, monsieur John, en souplesse? Très très souple. Très très souple, très, très souple. Si tu devais la comparer, tu la comparerais à quoi comme motorisation? Comme c'est un 3 cylindres, forcément, je la compare à la Tracer, mais on a quand même beaucoup plus de souplesse que la Tracer. Ouais. Elle gangasse un peu plus à bas régime ou même à la réaccélération de la Tracer. Ouais. Donc celle-là, on gagne un petit confort quand même. D'accord. Que ce soit en ville, même si tu es en 2, en 3, ça reprend tout seul, c'est vachement doux. D'accord. Ça se voit que tu as envie de faire, enfin, t'as envie de faire des bornes avec cette moto. Ouais. Ouais. D'accord. Moi, l'embrayage, là, il est assez sensible, si je peux dire, et il faut mettre du gaz pas calé.
Ouais, mais tout à l'heure, quand tu me l'as passé, la GS, j'ai calé direct, alors que la Triumph, ça s'est bien ouais, passé. Ouais, elle est plus exigeante en fait en embrayage. C'est ça, alors qu'on a une souplesse qui est en plus chez la Tiger. Ouais, je suis d'accord. Alors, on va tenter de vous faire un départ 0 à 100 km/h. Mets-toi à côté de moi, John, il n'y a personne derrière. Allez. 3, 2, 1, go! T'étais à fond? Ouais, j'étais à fond. Bon, elle se défend pas mal, hein, cette petite BM. Ouais, elle se défend. Tu sens que t'as du groupe quand même dans la tienne. Ouais, et puis j'ai le shifter. Ah oui. Par contre, il a eu un raté, le shifter. Ah ouais? Il m'a coupé, c'est pour ça que tu m'as pris 2 mètres d'un coup, c'est parce qu'il a coupé. Ouais. Et après, dès qu'il a récupéré, j'ai réussi à stabiliser avec toi. Ouais, donc... non, du 0 à 100, elle se défend la BM. Ouais. Même si elle a des chevaux en moins par rapport à la Tiger, du coup. Oui, parce qu'elle fait 77 chevaux la BM et la Tiger fait 95. C'est ça, ouais. Donc elle se défend pas mal du tout. En 6ème à 110, t'es à combien? À 110, je suis à 5000 tours. 5000 tours? Ouais. Ouais, moi je suis à 4100, 4200 quoi. Ah, pas mal. Bon, en termes de protection, forcément, je sens pas mal le vent parce que c'est une bulle basse. Alors on peut pas trop comparer avec la tienne qui va être une bulle quand même réglable et assez haute. C'est ça. D'ailleurs, il faudra que je la mette en position haute parce que comme on a monté la selle, je suis plus protégé par la bulle. Il faut que tu la pousses. Tu la pousses et tu tires en l'air. Ah, ça y est, nickel. Ça y est? Ouais. Voilà, bah nickel. J'ai plus de bruit. C'est un réglage très facile sur la Tiger. C'est des crans en fait, hein. Donc tu pousses et tu baisses ou tu montes. C'est vrai, pratique. Ça c'est assez pratique, ouais, effectivement. En tout cas, je me sens bien protégé au niveau des jambes en tout cas. Ouais, moi au niveau des jambes, c'est moyen, mais ouais. C'est surtout que la bulle basse, malheureusement, je peux pas lui reprocher de pas me protéger. Hein. Ouais, c'est sûr. Par contre, le fait d'avoir passé la selle en position haute, je prends beaucoup de vent au-dessus du crâne quand même. Ah ouais? Ouais. D'accord, même en bulle position haute. Même en position haute. D'accord. Chose que je n'avais pas en position basse. Ah. Alors j'ai les suspensions très très souples, pour pas dire molles. Ouais. Elles sont quand même très molles, regarde, attention. Regarde-moi, hein. Là je vais freiner, attention. Hop. Ah oui, ok, ouais, ça se lève direct, l'arrière se lève direct. T'as vu comme elle a basculé en avant? Vas-y, fais un freinage pour voir. Ouais, c'est pareil, hein. Elle a plongé autant. Hein. Hop. Ah ouais, ça après transfère. J'ai vu que t'avais les suspensions réglables électroniquement. Oui, toi. Moi je suis en road. Ok. Je suis en road, donc au plus confortable possible. Et j'essaierai après en dynamique. Alors comment tu te sens dans le rond-point, là, premier virage, premier vrai virage? Super bien. La moto elle se pose et puis t'as plus qu'à mettre le filet de gaz. Ben, j'allais dire pareil. Bien, on va faire un test de freinage. Ouais. Alors, mets-toi à la vitesse que tu veux. Ouais, je suis en 4. Voilà, à 4, on va se mettre à 80. Allez, t'es à 80? Ouais. Allez, attention, dans 3, 2, 1, go! Putain, on est... Pareil. Oh, pareil? Tu pèses combien, John? 86 kilos. Moi, je me suis pesé ce matin, 87. Ah ben voilà, pareil. Franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait une différence entre les deux, quand même. Hein. Ah ouais, tu pensais de laquelle? Je pensais que la Triumph allait mieux freiner. Ok. Après, la plus grosse cylindrée, est-ce qu'elle serait pas un peu plus lourde que ta GS? Je sais pas. Elle est peut-être plus lourde avec un meilleur freinage. Donc, tu vois, ça compenserait. Ouais. Ça compense, voilà, peut-être, ouais. Mais en tout cas, toutes les deux, parce que moi j'ai pressé à bloc hein, sur la. Ouais, j'ai appuyé aussi. Hein. Ouais, arrière, avant. L'ABS s'est activé, quoi. Elle est stable hein, quand même cette petite GS, il y a de quoi l'amener en fait. C'est des motos quand même qui te mettent pas mal en confiance quoi. Il n'y a pas besoin de monter trop haut dans les tours hein, pour, je sais pas toi avec ton moteur, mais moi entre 3000 et 5000 tours ça suffit amplement pour rouler tranquille. Bah, il faut un peu plus quand même. Toi il faut un peu plus? Un peu plus dans les tours, ouais. D'accord. Pour te suivre, sinon elle n'a pas assez de couple. Ah d'accord. Ouais, ouais. Là je suis passé en dynamique, attention. Ah ouais, je sens la différence hein. En dynamique et road. C'est plus ferme? Oui, ah oui. Ah, c'est bien plus ferme, salut. Oh putain, c'est lui, j'arrive pas à m'en défaire. Je me mets en dynamique aussi au niveau du moteur. Alors moi je suis en quoi?
Mais je suis agréablement surpris d'avoir un moteur qui est exploité aussitôt, quoi. Là, je suis à quoi, à 2000? Eh bien, même à 2000, hein. À 2000 en ville. Là, j'étais à 2000 en 4. Et c'est... ça claque un petit peu, mais c'est lissé, en fait. Oh là là, ouais, les suspensions en dynamique... Ah, c'est bien plus ferme. Oh, je vais tout de suite repasser en road. Attention. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ton cul te remercie. Bah ma vessie aussi, parce que j'ai envie de pisser. Et c'est vrai que ça, c'est un bon test. Quand t'as envie de pisser, tu sens de suite si les suspensions sont bonnes ou mauvaises. C'est vrai, hein. Quand tout va bien, bon, bah tu dis, ouais, le confort sympa. Mais dès que t'as envie de pisser, tu dis, ah ouais, là, je l'ai senti, ça, je l'ai senti. Et c'est pas la première fois que je suis dans cette situation. Oh, c'est un vélo, ma moto. Hein. C'est un vélo. J'adore. Elle se couche. Oh là là. Elle est... super maniable. Franchement, j'adore. Et elle met en confiance. Hein. Hop, hop. Bon, faut quand même la poser. J'irai pas d'un angle à un autre comme ça sans la connaître. Mais en tout cas, c'est très facile. De ce que je vois, elle est hyper facile à emmener. Pas lourde. Je sais pas quel poids elle fait, mais je la sens légère. Le moteur, je l'entends pas trop. Hein. Vraiment, je l'entends peu. Hein. Toi, tu dois pas trop l'entendre aussi, mon moteur. Non, le tien, de là où je suis, non. Dodan. Ah, c'est pas mal le confort. Alors, on n'est pas sur une GS non plus, enfin, une 1200 non plus. On n'a pas le même confort, le même taux d'absorption. La 750, si elle cible une clientèle plus jeune, eh ben, c'est totalement approprié, si je peux dire. J'ai un peu galéré là, hein, pour l'explication, mais je cherche mes mots. Vous savez que c'est pas si évident de parler, d'analyser son ressenti et de rouler à la fois. C'est ça, mais c'est pas évident du tout. Moi, je bug tout le temps quand je parle. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. C'est dur, on s'en rend pas compte comme ça. Et c'est vrai que quand je me regarde à faire les montages, je me dis, mais non, pourquoi t'as pas dit ça plutôt que ça, ouais, tu vois, c'était plus précis ou comment dire, c'était mieux ou quoi, ou plus approprié. Eh ben non. Donc chez moi, dans mon canapé, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de trouver les bons mots. C'est sûr. Aïe aïe aïe, c'est comme ça. Alors monsieur John, ses premiers virages, ses premières impressions? Impeccable, très stable, toujours. Je t'ai amené sur une belle route là. Direct, ouais. Franchement, c'est super route. Là, le très beau d'elle, c'est magnifique. Moteur souple, je suis en 4. Ouais. Je suis en 4 et je bouge pas. Ah ouais, ouais. Intéressant. Moi je suis en 3, donc ouais, je vais passer en 4 pour essayer. Oh là 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 là, elle se passe facilement d'un angle à un autre. Non, 4, moi ça passe pas. Ça passe toi? Ah ouais, putain, nickel. Non. Ah ouais, ouais. C'est... moi c'est pas passé. Elle est crème, comme je peux dire. Ouais. Elle est tendre. Elle est tendre. Mais moi, il faut que je joue un peu plus de la boîte. Hein. Ok, ouais, bah, c'est la magie du 3 cylindres après. Hein. C'est un moteur qui accepte beaucoup de régime. Ouais. Ouais, t'as plus d'amplitude, t'as plus de tolérance. C'est ça, wow, putain, elle se pose et la moto. Ouais. Ouais, elle est stable. Ouais. Génial. J'ai même plus confiance que sur ma Tracer, si je peux dire ça. Enfin, c'est pas vrai. Sans trop la comparer, mais ouais, je me sens mieux. Après, c'est... voilà, mes pneus, c'est d'origine, donc c'est... Ouais, c'est des daubes. Voilà. Mais putain, elle se jette dans le virage sans trop de problème. Ouais, mais j'ai senti que tes pneus sur ta MT-09, c'était de la daube. Ouais. Et là, ouais. Donc, t'es plus en confiance avec celle-là? Ben voilà, tu restes à ta vitesse sur ton rapport, puis tu postes ta moto et c'est bon, quoi. Ouais, moi, je suis en 3-4. 3-4, 3-4, 3-4. En 4. Si je veux, je vais attention les graviers là. Oup là, j'ai chassé. Donc là, je veux rester en 4. Comment ça se passe? Ah, c'est compliqué là, non. Je frottais le papier, moi. Ah bah, ce sera facturé, hein, monsieur John. On va passer à la douloureuse après. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, en 4, si je veux rester en 4, ça va être compliqué. Surtout si je suis chargé ou avec une femme derrière, ouais, je pense que ça passe pas. Ça passe pas. Mais là j'avoue que dans le serré la 4 c'était un peu juste, hein. Je suis sorti un peu large, j'ai frotté le calpier du coup. Ah vas-y, passe aux aveux. Ouais. Donc là je suis en 3 du coup. Par contre la BM elle a un tempérament joueur. Ouais, c'est incroyable comme les joueuses. Ah ouais, elle me pousse. Le fait que je joue de la boîte, ça me pousse à chercher des régimes un peu plus haut. Ouais.
Et vu que moi je suis un gars assez influençable, et ben tout de suite je me prends au jeu de taquiner quoi. Et le fait d'avoir le shifter. Attends, Fa, tu m'as perdu. Non, non, je t'entends. Ah, ça va. Le fait d'avoir le shifter, eh ben, ça pousse aussi à la sportivité. Eh oui, forcément. Oh là là, ouais, elle met en confiance. Alors, elle s'écrase pas mal des suspensions. Je vais passer en dynamique. Ouais, moi aussi. Voilà, je suis en dynamique, je vais voir un petit peu le comportement. 30 secondes, moi aussi. Voilà. Ouais, alors effectivement, elle s'écrase moins. Mais qu'est-ce que ces joueurs comme bécane ? Aïe 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 aïe. Ah, j'aime beaucoup hein. Son tempérament joueur. Il y a la pédale de frein qui est un peu dure à choper. Bon, en tout cas, dès qu'on s'excite un peu quoi. Le moteur chante pas mal, ça c'est sympa. Bon monsieur John, ouais. On s'arrête là, on est sur une route où il n'y a personne. On échange de bécane. Cash. Est-ce que tu n'es pas trop deg? Pourquoi? De quitter la Triomphe. Non ça va, parce qu'en sportivité, elle pousse pas au crime en fait cette moto, c'est vraiment une moto de balade, tu vois. Ça va dépendre de qui t'as au guidon, toujours pareil, c'est ce que je tiens à dire aussi, parce que dans certaines vidéos on me dit non mais certains moteurs poussent pas au crime, alors que moi je dis que ça pousse au crime, ça dépend de qui t'as derrière le guidon, on va voir si elle me pousse au vice, mais elle c'est vrai qu'elle a un tempérament ultra joueur. D'accord. Ultra joueur. Tu vois, elle est sécurisante et elle passe d'un angle à un autre avec de la facilité, de la rigidité. Et même si elle s'écrase beaucoup en entrée de virage, un petit peu moins quand tu es en dynamique, elle reste quand même très très amusante. Tu sens un... Bon ben voilà, ce que je craignais est arrivé. J'ai cassé mon câble à l'intérieur de sa gaine. C'est pour ça que j'ai pas pu voir s'il marchait ou pas. En tout cas, sur mon appareil, ça prenait le son, donc ça fonctionnait. Ce qui est un petit peu dommage. C'est pas très grave, le micro de John continue de fonctionner. Et je vais vous laisser les moments où il donne son avis. Parce que de toute façon, on a le même avis. Je pense que c'est quand même. J'espère, sinon c'est capoté. À ce moment, comme vous pouvez le constater, nous changeons de moto. Donc je prends la Tiger, il prend la BMW. Et de suite, ben... Il y a des sensations qui arrivent, comme quoi je la trouve plus lourde au début. Et à l'inverse, John aussi dit que la BM est plus lourde au début. Et après, avec les kilomètres, ben, on a d'autres ressentis. Ouf, elle est lourde. Ah, j'ai calé. Ah ouais, pourtant quand je suis monté sur la BM, j'ai eu l'effet inverse, je trouvais que la BM était plus lourde. Alors quand je suis monté dessus, c'est vrai que par contre elle est... Waouh, ah ouais, la mise en angle de la BM, waouh. Ah oui, la BM elle se jette beaucoup plus. Non, attends, je mets ça... Ouais, je t'entends. C'est ça, ouais, le BM de suite, il y a du couple, il y a de la gouache. Par contre, j'ai l'impression que la BM elle se jette dans le virage. Tu la pousses et elle s'allonge. Non, j'étais en train de constater que j'avais froid sur le BM. Bon, là-bas, je dis rien, mais au niveau des jambes,
J'ai froid. Froid. Ouais, c'est vrai que le moteur de la GS, il est beaucoup plus... Ouais, il est beaucoup plus rageur. Par contre, là, en 3, tu vois, je suis sûr que je reprends bien moins bien que toi. Ouais, ouais, une cogne plus. Non, c'est vrai qu'après, voilà, tu sens que ça claque, mais ça va, ça... T'es pas secoué, ouais. Elle est peut-être plus stable une fois qu'elle est posée, mais par contre, elle se jette beaucoup plus sur la BM. C'est vrai qu'il y a une sensation différente, mais agréable sur la BM. Alors après, voilà, j'ose pas trop non plus, parce que c'est pas nos motos, mais... Et puis la route est froide. Ouais, voilà, là on sent de suite. Elle est plus fun, la BM, faut le dire. Elle est quand même plus fun. Voilà, c'est ça. Elle est plus fun, la BM. C'est vrai que là, sur ouais, ça, largement plus fun. Mais par contre, tu vois, la Tiger, je la compare vraiment beaucoup plus à ta MT-09. C'est vrai ? Ah ouais, plus routière, tu vois. Plus, alors, sauf la suspension arrière de ta MT qui fait comme ça, qui cherche où elle habite. Mais sinon, en position, tu sais, en réactivité moteur, même oui. Si elle est un peu moindre que la tienne, mais je vais trouver des signes comparatifs. Attention, hein, c'est pas non plus le moteur de la MT. Hein. Non, mais je vais trouver un petit pareil. Peu. Voilà, non, pas du tout pareil. Mais je vais retrouver quelques similitudes. Donc non, je la sens plus confortable la Tiger. Voilà, elle est plus douce. C'est vrai qu'à partir en grand road trip, c'est même en duo, je la vois plus la Tiger. Après, je sais pas si t'as une sensation comme ça. T'as une pédale de mou sur le pédale de frein du... Alors, sur la pédale de frein arrière, elle est un peu plus molle que sur la Tiger, je trouve, sur la BM. Ouais, merde, j'ai calé. Bah, je trouve qu'il faut aller plus le chercher que la Tiger. La Tiger, elle vient naturellement sous le pied. Alors, quatrième. Vas-y, 70. Là, j'y suis. Ah, elle se défend, la BM. Hein, ah. 80. Alors, attends, je m'y mets. Voilà, j'y suis. Ah, c'est pas mal, hein, la BM. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, en fait, je pense que la Tiger va jouer tout son atout dans les hauts régimes, je pense. En deux ? Ouais. Et voilà. C'est fou, ça. Ouais, c'est ça, c'est de suite... je suis agréablement surpris. Vas-y, fais une petite accès. Ouais, moi, c'est beaucoup plus linéaire. Elle met du temps. Non. Après, c'est vrai qu'à haute vitesse, ça manque un peu de gouache. Ouais, la BM. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. C'est ce que j'allais te demander. À partir de 100 km/h, ça doit manquer. Ouais, ça manque. Tu vois, j'étais en plein accès. Bon, quand tu passes ton rapport, t'as le guidon qui est un peu virevolte. Ouais. Alors là, on se met en 5 à 115. Ouais. Allez, 3, 2, 1, go. Ouais, je te mange, mais pas de beaucoup, hein. Ah, c'est... Elle se défend, hein, putain, c'est fou, hein. Ouais. Mais c'est vrai que la BM, pour un trail routier, du coup, elle est fun et elle est moins pousse au crime, tu vois. Par rapport à quoi, sur la route? Bah, ouais, le fait que ça va pas à haute vitesse, tu vois, une fois que t'es à 140, t'as plus grand chose dans le moteur, non? Ouais, elle va plus te provoquer sur petite route sinueuse. Voilà. Donc ouais. Tu vas t'amuser à basse vitesse, et puis à haute vitesse, ça, c'est moins pousse au crime. Ah, je suis d'accord. La Tracer, une fois que t'es à 140, tu passes le rapport, ça passe encore, tu restes qu'à 200, et tu t'en rends pas spécialement compte. C'est quoi? C'est plus trail routier, c'est ça? Oui, elle est plus adaptée pour la route, hein, celle-là. La 850 va être plus off-road, ouais. Et la 750 plus routière. Okay. Allez, le petit saut, John, le petit saut. Eh ben non. Bon. Et si on délibérait Je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire parce que elle est pas mal. Elle va avoir un tempérament, la Triumph, plus sérieux. Ouais.
avec un moteur plus souple, plus confortable. Il faut le voir, c'est un quotidien. Elle va être plus stable, elle va moins plonger en freinage que la GS. Si tu es un célibataire notoire et à longue durée comme moi, forcément tu regardes pas pour les road trips avec ta femme. Mais à l'inverse, sur une moto au ressenti plus léger, une moto plus légère sur la BM, plus légère à un nez, qui tourne tout seul, qui roule, on va dire, moins vite et encore à haute vitesse. À haute vitesse, quand je dis vitesse, c'est l'autoroute, mais en fait, on voit qu'elle se fait faire bien. Oui, au niveau du couple, il n'y a rien à dire. Mais par contre, le moteur est plus râpeux. Si je peux dire râpeux, tu vois, c'est. Tu vois, c'est, moins de douceur, c'est, ouais. Ça vibre plus, il y a beaucoup moins de douceur, c'est plus confortable et doux la Tiger, ça c'est sûr. On est sur quasiment la même grille tarifaire, parce que là on a 12 000, là on est à 10 000. Je parle le plus, c'est niveau équipement sur la BM, on a les suspensions réglables électroniquement, ouais. Directement sur les Komodo, ouais. Donc ça, c'est même un gros plus. Tu peux passer de rigide à plus confortable, effectivement, si tu veux attaquer ou rouler un peu plus pépère, alors que la Tiger, effectivement, ne les a pas. C'est ça. En fait, je dirais que si on veut vraiment rouler pépère, un gros road trip, de la douceur, ouais. La Tiger. C'est vrai que par contre, pour s'amuser en arsou, je dirais la BM. Parce que même sans être à haute vitesse, la BM, elle est bien plus fun. Ah ouais. Ah. Elle est vachement linéaire, la Tiger, dans l'arsou. Et c'est hyper naturel d'arsouiller avec la BM. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un moteur coupleux. Sans être bon, quoi. C'est ça. C'est un moteur coupleux, ça plonge, tu... Elle se passe bien, elle est... Elle met en confiance, elle est stable, elle est stable. Et elle n'a pas fait de dribble, elle n'a pas saucissonné. Franchement, les deux sont hyper stables. Mais par contre, il faut faire un choix, John. John, faire un choix. Ça dépend des tempéraments de chacun. Non, non. Ça dépend des tempéraments de chacun. Bon, toi, tu préférais quoi? Moi, pour moi. Demain, on te dit, je t'en donne une des deux. Tu vas pas dire, c'est des tempéraments. Non, non. Le mec, il veut rien savoir. Il te dit, soit c'est elle, tu pars avec dans 5 minutes. Alors. La Tiger. D'accord. Bon ben moi si je la donne la Tiger, on va dire si tu vas pas chercher les régimes, elle te pousse pas à allumer. C'est ça. Ça j'aime bien. C'est la plus attitude, c'est d'être plus protégé, d'être bien derrière son guidon. Ouais. Alors les premiers ressentis. J'ai beaucoup moins aimé la BMW. D'accord. Le premier quart d'heure, j'ai même pas du tout aimé la BM comparé à la Tiger. Mais franchement, quand je te dis pas du tout, pour moi, c'était mon choix était fait. Jusqu'à ce qu'on arrive sur la route des frais modèles très sinueuses, là, je l'ai senti à l'aise dans son élément. Et par contre, quand je suis passé d'elle à la Tiger, cette fois-ci, j'ai été déçu de la Tiger. Stable, ok, génial, un moteur linéaire avec de l'amplitude. Mais moins rageur, moins joueur. Franchement, je suis à 50-50 sur les deux. Donc si on me dit qu'on me donne une, je pense que je serai à 51% sur la BM, je pense. Parce que déjà, le fait qu'il y ait de la prise au vent, ça te pousse moins à rouler vite. C'est ça. Et comme tu as du couple en bas régime, tu vas chercher à être dans cette plage-là et ça te pousse moins au vice au final. Soit sur des petites routes où tu vas t'amuser, mais là, c'est moins dangereux, il y a moins de monde, tout ça. Donc je partirai sur le 51-49 pour la BM et après la Tiger. Mais ça se joue. Mais ça se joue un peu, voilà. Puisque t'as raison, c'est en fonction des tempéraments. Et la BM, elle est très sympa. Esthétiquement, par contre, la Tiger de loin. La Tiger. La Tiger, ouais. Après avoir la BM avec une bulle plus longue, ça va changer de regard. Ouais. Mais c'est vrai que la Tiger, c'est... Oui, moi aussi. Esthétiquement, la Tiger est largement au-dessus. Elle fait même beaucoup plus qualitative. La BM, tu vois, esthétiquement, je la trouve pas à l'arrache, mais je la trouve genre, bon, c'est bon, on a fini, vas-y, passe à autre chose, quoi. Elle est pas mauvaise, mais c'est vrai que, oui, il manque un truc. Elle fait fluette, enfin, je veux dire, elle, voilà, on voit que c'est une moto très dessinée, très travaillée, voilà. Elle fait plus papa celle-là, si tu veux. Voilà, c'est ça. Elle fait plus vieux, si je peux dire. Hop. Alors que celle-là, petite bulle, petit bec qui descend, tac tac, ça fait un peu plus jeune, un peu plus fun. Autre chose. Ouais.
John, merci encore pour avoir fait cet essai. Ça n'a pas été une affaire de réussir notre essai. Si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Dis-nous en commentaire laquelle tu as préférée des deux, laquelle tu choisirais si on te l'a donnée. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Salut.